Better go. Auto puts her like whoa. J'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau weekly vlog et... Oui, on va recommencer s'il vous plaît, donnez-moi une deuxième chance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouveau weekly vlog et nous sommes mardi 3 septembre. Dans 10 jours, c'est mon anniversaire. Vendredi 13, les amis, préparez-vous. Ce week-end, ça a été un week-end de mimolette. Non, ça a été un bon week-end, mais un peu bizarre. Je vous avais dit samedi, mon mari est parti au festival Mysteria aux Pays-Bas avec des amis. C'était prévu depuis longtemps. J'ai gardé mon fils tout le samedi après-midi. Le matin, on avait été faire les courses. Bon, voilà, on s'occupait comme on a pu. On a fait nos petits trucs, c'était sympa. Le soir, on a fait notre petit apéro, mais je crois que je l'avais déjà dit. Bref, week-end assez sympa, mais le dimanche... Enfin, le dimanche, tu sais, c'est une journée où t'as l'impression que t'as tout perdu. Déjà, moi, le dimanche, c'est une journée, même quand j'avais pas d'enfant, c'était une journée que j'aimais pas forcément. J'ai l'impression qu'il y avait rien qui fonctionnait à ce moment-là. Mais maintenant, un dimanche avec un enfant, un mari, passer la quarantaine, habitant à la campagne, je vous jure que mes dimanches, ils sont pires. Non, je déconne. En fait, ce qu'il y a, c'est que mon mari était crevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que genre, il avait tapé plus de 6 heures de route aller-retour pour son truc. Et puis, tu sais, t'as le festival sur place, tu t'amuses, machin. Il s'est réveillé tard, je l'ai laissé dormir jusqu'à 11h et quelques. Bah, la journée, tu sais, t'es un peu vaseux et tout et tout. Et j'avoue qu'il était occupé à faire des choses. Envoyer sûrement entre potes les images de leur festival, du truc, machin. Ma patience, elle était un petit peu en orbite. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être seule. Je vais pas vous mentir, cette impression d'être une maman célibataire avec un ado et un enfant en bas âge. Le dimanche est passé en une vitesse éclair. Le petit il a fait une sieste. Alors maintenant le petit il veut plus faire de sieste avant 15h, 15h30 jusqu'au moins 16h30, 17h. 17h30 des fois. Et là c'est ce qui s'est passé. Mon mari a été faire une sieste aussi. Lundi, comme je vous ai dit, on a eu la rentrée donc ça c'était cool. Aujourd'hui c'est le premier jour où Robin va à l'école sans couche. Enfin, il a été avec une culotte d'apprentissage. Donc, vous savez, c'est des culottes avec quand même un fond un peu molletonné, mais c'est une culotte en coton, quoi. Donc, s'il fait pipi, clairement, ça va quand même couler dans son pantalon, dans son short et tout ça. Hier, la maîtresse m'a dit, bah écoutez, hier, il a été aux toilettes. Et je dis même à la maison, même quand il a la sieste, il se relève, il va faire pipi dans son pot. Enfin, je l'ai vu faire la dernière fois, j'étais contente. J'ai juste eu un moment de stress, c'est quand j'ai vu qu'il commençait à prendre le truc, là, le conteneur où il y avait le pipi, je vois les tapis et tout. Et là, mon côté maniaque, je suis vite montée en mode, c'est bien mon cœur, donne à maman. Vraiment en mode stressé, mais il a compris le principe de même descendre la couche culotte et de la remonter, donc ça vraiment trop cool. Et hier en fait je me suis aperçue qu'il avait la même couche que le matin, donc je me suis dit tiens c'est bizarre et tout. Et en fait non, elle m'a dit hier il a été aux toilettes, voilà. Bon, elle m'a juste dit c'est super compliqué pour les siestes, et je lui ai expliqué que bah en fait Robin nous à la maison il veut plus faire de sieste à part sauf s'il a vraiment fait blindé de trucs le matin crevant, et encore il va la faire à 14h30, 15h je vous dis. Donc voilà, bon, après on a de la chance, c'est que même s'il se réveille à 18h de sa sieste, honnêtement, sans vous mentir, à 20h, il est au lit, il dort. L'école, écoutez, ça va bien pour l'instant. Juste, j'ai reçu un mail et t'étais là, non, je le voulais pas tout de suite, celui-là. On est très très tenu informé de ce qui se passe dans l'école, et en fait, il disait que c'était de nouveau les poux. Donc j'étais là, non, pitié. Parce que mon fils n'a pas les cheveux super longs, donc c'est vrai que généralement, c'est les petites filles qui attrapent les poux. Mais il a quand même une petite tignasse, et tu te dis, en fait, les poux, ils s'en foutent, ils vont là où ils vont, voilà. Donc du coup, j'ai un truc, je vais vous montrer. Je lui mets ceci en prévention, je l'ai acheté sur New Pharma. J'ai un traitement si au cas où qu'il attrape des poux, mais j'ai ça en prévention, c'est un répulsif, et vous vous mettez sur la tête, donc j'en mets tous les jours. C'est 100% végétal, et du coup bah voilà, je me dis je sais jamais. Hier je suis arrivée à l'école, quand j'ai été chercher la gardienne, elle m'a dit ouais ça a été super cool, elle m'a dit franchement parfait, il a été nickel. J'étais vraiment trop contente, je me suis dit ah peut-être que sa crise va passer, parce que mon fils quand il fait des crises, qu'il est pas bien, qu'il est énervé, qu'il crie, qu'il est vraiment dans la... C'est toujours des phases en fait, mais tu sais que c'est des phases qui peuvent durer une semaine comme ça peut durer 3 semaines. Genre quand il y a eu la peur de l'abandon, ça a duré au moins deux semaines facilement ça. Puis après il y a eu les peurs nocturnes, ça a duré 3-4 nuits. Mais franchement il y a des trucs, l'opposition c'est resté 3 semaines au moins. Le moment où vraiment il commençait à comprendre qu'il était une personne à part entière et tout, et qu'il pouvait envoyer se faire foutre les autres. Clairement il a usé et abusé de ce statut. Et là c'est vrai qu'on était rentré dans une période où c'était le « moi j'ai dit si ». Alors toi tu dis bah moi j'ai dit non, mais moi j'ai dit si. Ça peut durer très longtemps. Sauf que bon quand t'as pas trop de patience à un moment tu dis eh moi j'ai dit si, ok. Tu sais tu prends ta voix, tu fais eh.
Et alors là, généralement, ça se termine en t'es pas ma copine. Et je lui dis, bah ça tombe bien parce que non, je ne suis pas ta copine, je suis ta maman. Donc je lui rappelle, je lui dis, maman, elle est cool, mais maman n'est pas ta copine. Hein. Le copain-copine, maman, tout ça, j'ai connu et je n'ai absolument pas envie de l'instaurer entre moi et mon enfant. Je suis sa maman, je l'aime de tout mon cœur. Je suis son oreille, je suis tout, je ferai tout pour lui. Mais je suis pas sa pote, hein, on est d'accord. Genre, tu ne vas pas me checker en mode salut bro. Non, ça c'est mort. Je suis la vieille école. Hier, grosse crise de larmes pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je pleurais toute seule ici, à la maison. En fait, ça fait 2-3 jours que vraiment, je me sens pas bien. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je ne me sens pas bien psychologiquement et je me sens au fond du trou. Et en même temps, d'un côté, je me dis non, Audrey, tu mets trop de choses en place. Et franchement, je plante des graines en ce moment, vous n'imaginez même pas. Je me dis à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va germer de ces petites graines que tu fais, que ce soit dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, mais tu sais que tu ne fais pas rien. Et en fait, le fait de ne pas avoir de résultats immédiats, je sais pas si il y a des personnes qui sont comme moi, mais le fait de pas avoir des résultats immédiats, que ce soit perte de poids, bien-être mental, couleur de cheveux, ça peut être n'importe quoi. Honnêtement, ça peut vraiment être une bagatelle, mais quand vous êtes fragile psychologiquement, n'importe quoi peut vous faire fondre en larmes. Il suffit que tu sois hypersensible. Après, je veux pas faire la psychologue de comptoir. Je parle pour moi. Et en fait, oui, ça a été une petite accumulation de plein de choses ces derniers temps. Et là, bah, j'ai décidé de changer de couleur de cheveux. Oui. En fait, je me suis dissé les cheveux tout à l'heure, je regardais et je me disais non, je n'aime plus. Mais en fait, je crois qu'il n'aime plus ma coupe non plus, parce que je n'ai pas de coupe en fait. Je suis à deux doigts de vraiment faire une longue frange, mais vous savez, longue, que je puisse mettre comme ça quoi. Je suis en train de regarder, je vais voir, je me donne un petit temps de réflexion. Ma coiffeuse part en vacances, donc Zozo part en vacances, et je lui souhaite les meilleures vacances du monde, puisqu'elle part aux États-Unis, donc clairement, elle va faire un road trip, ça va être génial avec son mari. Sauf que clairement, je vais pas attendre 40, hein. Donc je vais voir, j'ai une idée de ce que j'ai envie. Je vais aussi consulter une coiffeuse qui est pas loin de chez moi, voir un petit peu ce qu'elle pense au niveau de quelques coiffures, est-ce que ça m'irait ou pas. J'ai reçu une invitation ce matin, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu un truc qui m'avait intéressé et... Bon, les événements pour les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est toujours en semaine. Vous avez compris que pour moi c'est super compliqué, j'habite à la campagne, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Bon là j'ai vu que c'était quelque part, c'est un quartier que je connais bien, c'est à Porte de Namur, donc y a pas de souci. J'ai commencé à regarder un peu les hôtels qu'il y avait, je connais The Hotel parce que j'avais déjà... J'allais dire j'y ai déjà crêché, putain mais d'où je sors. Non, j'y suis déjà allée une ou deux fois avec mon mari, on avait été invités pour découvrir et tout, et franchement j'avais bien aimé. Comme j'ai le droit à un plus un, j'ai demandé à une de mes meilleures potes de venir avec moi, enfin savoir si elle voulait venir. Donc logiquement elle vient avec moi, et ce que je faire, c'est que du coup le mardi je vais rester sur Bruxelles, je me tâte juste c'est à prendre une chambre d'hôtel de façon à pouvoir me préparer tranquillement avant d'aller à la soirée. Donc je pense que je vais prendre un hôtel, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal dans les alentours. Ça permettra aussi, si on est vraiment crevé, je pense, de pouvoir dormir avec ma pote. Mais ça m'a fait du bien, franchement. Je remercie vraiment l'agence qui m'a invitée. C'est pour les énergies. Alors, les énergies créateurs, contentes, je sais pas quoi. En fait, c'est un truc qui est fait par énergie et qui récompense les créateurs de contenu. Alors, c'est ballot. J'en fais pas partie des créateurs sélectionnés, hein, parce que ça fait trop longtemps que je suis plus dans la vibes. Enfin, dans la vibes. Dans le vent nouveau. Je suis contente parce que du coup, je vois un peu les nouvelles générations aussi. Il y a des créateurs qui sont sélectionnés que j'aime beaucoup. Je me dis, ça va me permettre de rencontrer d'autres gens, de sortir et aussi, de retrouver un petit peu. Les gens que je connais, de faire un petit coucou. Et je suis juste pas à l'aise de me dire, parce que j'ai regardé le dress code et c'était marqué chic et décontracté, donc je pense que je vais mettre un pantalon palazzo noir, je vais essayer d'en trouver un. Là j'en ai un sur moi, il est vert, il est pas mal, mais il faudrait que j'ai un petit haut genre sympa, donc j'ai un petit haut à sequins, je me dis, avec des manches un peu chauve-souris qui cacheraient mes gros bras. Voilà, je pense que je vais faire ça, ou alors j'ai aussi une combi de chez Almé, donc c'est possible que je mette ça, sinon elle est bleue, elle est pas mal aussi. Mais du coup, ouais, ça m'a mis du baume au cœur. Bon, faut juste que je vois, parce que du coup, comme je vous disais, ça tombe en semaine, ça tombe un mardi. Et le lendemain, il faut que je puisse être sûre que mon mari puisse déposer mon fils à la garderie. Mercredi matin, il va toujours à la garderie. Je vais lui demander, je demande pas grand-chose généralement, mais là, c'est vraiment une soirée qui me tient à cœur. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de profiter de cette soirée-là, j'ai envie de voir un peu les gens qui... Voilà, l'ambiance des créateurs de contenu belges. Moi, vous savez que ça fait des années que je suis sur la plateforme YouTube, hein, depuis 12 ans au moins. Et c'est vrai que si vous m'avez suivi, dans les débuts, je faisais beaucoup de masterclass. Je me suis beaucoup battue auprès de YouTube Belgique pour que les YouTubeurs soient reconnus. Et c'est vrai que dans les débuts, bah, il n'y avait pas grand monde. Et on me disait souvent, non, il n'y a personne, il n'y a qu'en France, il n'y a qu'en France. Et c'était les débuts, hein. Je veux dire, même Luffy, elle n'était pas encore super connue. Gaël Garcia non plus, Silent Jill, n'en parlons pas non plus.
Enfin, vraiment, c'était les prémices. C'est-à-dire que c'était vraiment l'ère d'Enjoy Phoenix, l'ère des Julie Love Max 07, le début. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de conférences, même là-bas, pour leur dire c'est pourquoi c'était intéressant de travailler avec les créateurs de contenu à l'époque et tout. Et je me suis beaucoup battue pour qu'il y ait cette reconnaissance. Et au fil des années, bah, je suis contente de voir que oui, ça a commencé et la Belgique a reconnu ses talents, a reconnu qu'il y avait effectivement des gens très bons, qui faisaient des très bonnes choses. Notamment là, il y en a qui sont sélectionnés, honnêtement, qui font des choses, mais j'adore quoi, c'est super créatif, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, je me dis, écoute, vas-y, refais une petite soirée comme ça, ça peut être hyper sympa, puis tu passeras une soirée avec ta pote. Moi ça fait longtemps que j'ai pas soufflé, que j'ai pas fait quelque chose en dehors de la maison. Je me suis dit allez, fais-toi belle, vas-y, let's go. Et c'est pour ça que je pense que vraiment je vais prendre une chambre d'hôtel, parce que ça me permettra de déposer mes affaires, d'arriver dans la journée à Bruxelles, être tranquille ou bilou, et aussi le soir ben de me poser avec ma pote, qu'on soit tranquille. Et puis si ma pote veut pas dormir, elle peut rentrer chez elle, mais au moins j'ai un pied à terre. J'ai ressorti mon sac Coach, alors je suis contente. J'ai vu qu'en ce moment Coach c'était une marque qui renaît vachement devant. Moi c'est une marque que j'adore, c'est une marque qui est new-yorkaise. Ça fait quelques années que j'ai des sacs de chez eux, parce que ça reste luxe sans être trop luxe, c'est un middle je trouve, et ils ont vraiment des pièces qui sont très très jolies, donc j'en ai vraiment quelques-unes que j'adore, et celle-ci notamment, d'ailleurs je pense que c'est celle que j'emmènerai peut-être à la soirée. Mais j'adore ce modèle là, je l'avais acheté à Dubaï. Je me rappelle, j'étais avec Sana ce jour là et je me rappellerai toute ma vie, parce qu'à l'époque j'hésitais, j'étais ah ouais mais... Puis il m'avait dit dans la boutique, vous savez c'est un modèle qui ne sera pas en Europe, il est vraiment... ce modèle là, un blanc clouté, c'est un modèle qui ne sera pas en Europe. Donc il est comme ça et vous pouvez agrandir la lanière. Il est vraiment magnifique, j'adore. Vous avez une petite pochette, enfin il est vraiment magnifique. Et à l'intérieur aussi, il est vraiment très très beau, je l'adore, c'est un de mes coups de cœur. Et à l'époque, je me rappelle, j'étais avec Sana et j'étais là, ouais, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas. Puis à un moment, tu vois, mais c'était dans ma tête que je me disais ça. Et à un moment, Sana me regarde et elle me dit, bon Audrey, alors, je vais essayer de te convaincre de... Je dis, non, laisse tomber, je le prends. Elle me dit, j'ai même pas eu le temps de te convaincre. Elle me dit, que tu l'as déjà acheté. Je dis, ouais, ouais. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça, il coûtait 650 €, il me semble. Bon après à l'époque j'avais que moi à gâter, donc c'était pas un problème. Et je me rappelle que quand j'ai fait cet achat, j'étais genre trop contente. Je le trouvais mais tellement beau. C'est une marque que j'adore, Coach. J'ai une ceinture d'ailleurs beige de chez eux, bon clairement qui me va plus pour l'instant, mais je la garde parce que je l'adore. Et je me dis je perds pas espoir de reperdre des kilos pour le coup. Je le trouve intemporel à la fois pour le printemps, pour l'été, l'automne. Dites moi ce que vous en pensez. J'ai donné ma réponse, j'ai dit oui, donc il faut que je remplisse le questionnaire pour la soirée. Faut que j'en parle à mon mari, parce qu'évidemment j'ai dit oui sans en avoir parlé à mon mari. Après je me dis vas-y, y a moyen quoi, il y a vraiment moyen. Sur ce, aujourd'hui on est mardi et j'ai ma chienne qui traînait à la piquer un jouet. J'ai été la brosser tout à l'heure comme vous avez pu voir, elle est en pleine mue. C'est un truc de malade, elle perd ses poils à mort et du coup bah ça lui fait des différences de couleurs sur le corps. Ma fille qui était belle. Je vais aller parcourir les pages Pinterest pour voir un petit peu ce que je pourrais faire à mes cheveux. Et je vais aussi aller voir pour les hôtels sur Bruxelles du coup. Donc voilà, en tout cas si vous avez entendu parler des Energy Creator Awards, n'hésitez pas à me dire pour qui vous allez voter. Je suis genre juste trop curieuse en bas. Il y a des talents qui sont vraiment ouf dans plein de catégories. En tout cas, j'ai envie de décompresser. Ah, c'est peut-être le facteur. J'ai ma commande Zalando qui doit arriver. Mes bottes de pluie s'il vous plaît. Ouais, c'est la poste. Oh putain, ils arrêtent juste devant ma fenêtre. Vous aussi vous vous cachez comme ça. Mets-le dans ma boîte, s'il te plaît. T'as la meuf. Ouais, très bien, il met dans ma boîte. Je suis trop inassociable. Donc voilà, je vais vous montrer, du coup. C'est les bottes Zalando que j'ai pris. Je les ai pris en 39. Et apparemment, le modèle était fait pour les mollets forts. Donc c'est réglable, c'est de la marque Anafield. Je vais essayer ça. Putain, j'ai honte, faut que j'arrête de faire ça. Je suis une gamine. J'ai beaucoup de soucis envers ça, vraiment. Mais qui sont pas rigolos, en vrai. Parce que il y a quelques années de ça, quand j'habitais à Uccle, j'étais jeune, je crois que c'était un petit peu avant de me marier ou alors juste après mon mariage. Non, je crois que c'était avant de me marier. J'ai eu une période où en fait j'ai fait une dépression en fait. Et j'arrivais même plus à descendre en bas de mon escalier chercher mon courrier. C'est-à-dire que je voulais voir personne. J'avais pas d'amis, j'avais rien. Le simple fait de devoir sortir, ouvrir ma boîte aux lettres et avoir peut-être 1% de chance de croiser quelqu'un, sachant que j'avais qu'un voisin. C'était très dur pour moi, vraiment. Ça a été une sale période et j'ai pas envie de retomber là-dedans, mais j'avoue que si je peux éviter des conversations téléphoniques, si je peux éviter plein de trucs, je le fais. C'est pas bien, parce que clairement c'est pas ça qui m'aide en vrai. Sur ce, je vais vous laisser, je vous montrerai les bottes tout à l'heure, ou demain.
Je vais continuer ce que j'avais à faire. Là, j'ai mis des courgettes à cuire. Et puis voilà. Bon, allez, ciao. Chaque jour, c'est pire, ce sur quoi je vous pose. Vous êtes empilés sur les cahiers que vous avez vus juste avant. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, j'ai emmené Robin avec mon mari à la garderie puisque le mercredi, on compose avec les bus. Hein. C'est bien passé. Mais en ce moment, il a un petit peu la peur de l'abandon. Je sais absolument pas si c'est parce que, en fait, depuis qu'il est rentré, qu'il a repris l'école, il y avait des enfants qui pleuraient beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup, et qui voulaient pas quitter leur maman. Et je pense que ça lui a beaucoup joué dessus parce que maintenant le matin, hier il m'a couru après, enfin toutes des choses comme ça. Donc j'essaie vraiment de le rassurer, je dis maman va revenir, je dis je vais te préparer des petites surprises, j'essaie toujours de lui préparer un petit truc, que ce soit une déco ou quoi que ce soit. Voilà, ce matin il est parti à la garderie, c'est une journée qui est relativement longue pour lui aujourd'hui parce que ils ont la bibliothèque et du coup il rentre un peu plus tard. Et évidemment comme je compose toujours avec les bus, bien je ne peux pas aller chercher avant la fin de la journée. Donc c'est une longue journée aujourd'hui. Je pense vraiment que ce soir il va manger rapidement, prendre sa petite douche tranquille ou son petit bain, je sais pas ce qu'il aura envie. Et puis bah dodo pour continuer la semaine. Hier j'ai pas mal bouloté, j'ai fait ma première séance de pilates au mur de Marine. J'ai choisi, alors j'ai pas pris le livre que j'ai acheté, j'ai voulu mettre une vidéo directement, du coup j'ai pris son challenge 15 jours parce que je me suis dit j'ai l'impression que si je commence par 15 jours ça me paraît pas si long et ça me paraît pas si court, ça me met un petit challenge sans que ce soit trop une pression. En fait faut qu'il y ait ce juste milieu entre le tu te motives et tu vas pas te dégoûter, surtout quand t'as envie en fait que ça devienne un mode de vie et pas juste une parenthèse dans ta vie pour perdre du poids ou pour gainer ton corps. Là je veux vraiment que ça fasse partie de ma vie jusqu'à la fin de ma vie, que ce soit vraiment comme on dit un lifestyle. Avoir une activité physique, moi le pilates c'est quelque chose que j'aime bien. Le pilates au mur, là ce qui est chouette c'est que ces séances elles durent pas très longtemps et surtout bah, j'ai l'impression que c'est une personne normale, c'est-à-dire que comment dire, c'est pas genre une meuf musclée qui te montre des trucs que toi t'arrives pas à faire. Là elle te montre des choses qui sont accessibles peu importe le niveau et je sais pas, c'est dans... y a une vibe en fait. Ce que j'aime bien dans le pilates c'est que je trouve qu'il y a quand même ce côté un petit peu harmonieux et un petit peu cette dimension de bien-être mental aussi. En tout cas c'est moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai fait ma séance hier, je vais faire tout à l'heure ma séance du jour. C'est comme un petit engrenage, ça me permet en fait d'être fière de moi. Hier je l'ai dit à mon chéri et franchement ça faisait longtemps qu'il m'avait pas encouragé comme ça pour tout ce que j'ai fait au niveau boulot. Hier j'ai vachement démarché, j'ai cherché aussi qu'est-ce que je voulais faire comme contenu, parce qu'en fait c'est pas comme si je disais je voudrais bien faire du contenu maquillage donc je voudrais essayer la dernière palette. Non, là comme je suis sur du DIY et de la déco aussi, je me dis voilà, comment est-ce que si je vois par exemple ma cheminée comme je vous ai dit que je voulais la customiser, je me dis qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je pourrais faire. Donc là bah du coup je me dis ce serait bien, j'ai vu des marques de peinture qui ont l'air vraiment géniales et qui ont des super belles couleurs, je me dis pourquoi pas leur proposer un projet ensemble et vraiment que moi je fasse une vidéo vraiment sur cette customisation, j'ai trop envie. Donc voilà, j'ai essayé de me pencher plus en profondeur sur les contenus que je voulais faire. Par exemple j'aimerais bien aussi faire l'espèce de petit sas qu'il y a entre la cuisine et la buanderie. Buanderie que je voudrais faire aussi plus tard, mais t'as compris, on va essayer d'y aller mollo. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je voudrais? Est-ce que je dois fabriquer moi-même un meuble pour qu'il soit vraiment aux mesures dont j'ai envie, ou est-ce que je vais avoir la chance d'en trouver un en brocante ou en seconde main? Je sais pas encore, mais en tout cas c'est vrai que j'aimerais vraiment redécorer ce couloir là. Donc je regarde, il y a une espèce de petite tringle au milieu, enfin une petite plaquette de bois, je me dis ça pourrait permettre de faire deux couleurs, ou alors en bas de mettre un papier auto-adhésif et d'avoir un motif. Et idéalement j'aimerais vraiment avoir un meuble très fin où je puisse stocker, oui effectivement, comme je fais pour l'instant, genre les bouteilles, les packs de riz, le lait, enfin toutes ces choses là, mais que ce soit beaucoup plus harmonieux, tu vois, que ce soit pas genre juste des petits trucs plic-ploc comme ça. Donc je suis en train de plancher là-dessus, voir un petit peu ce dont j'ai besoin. J'aimerais aussi travailler avec des marques genre d'ustensiles de cuisine, parce que c'est une dimension que j'aimerais bien aussi incorporer dans ma chaîne, étant donné que c'est quelque chose dans ma vie qui prend quand même beaucoup de temps. Vous savez que je cuisine quand même beaucoup pour ma famille, mais c'est surtout que en fait j'ai fait un choix, je voudrais vraiment éliminer de plus en plus l'industriel à la maison. Pour mon mari c'est un peu compliqué parce qu'il est adulte et qu'il a 40 ans de
de passif, voilà, et qu'il n'est pas dans cette démarche forcément. Maintenant, la seule chance qu'il a, c'est qu'il mange ce que je fais parce qu'il est flemmard et qu'il fait rien. Il n'aura pas, entre guillemets, le choix, et comme c'est moi aussi qui fais les courses, voilà, si au bout d'un moment j'achète pas des trucs, il sera bien forcé de manger autre chose. J'avoue, j'ai pas envie de le contraindre, j'aimerais bien que ça vienne de lui, mais en tous les cas, moi je lui ai dit que je voulais pas polluer le palais de mon petit. Je veux vraiment qu'il mange des fruits et des légumes de saison le plus possible. Je dis pas que je veux que ce soit parfait, mais je veux vraiment que ce soit en tout cas le mieux possible. Là, j'ai hâte, je compte les jours, j'avoue, j'abuse, mais pour la cueillette des potirons, je ne pense qu'à ça. Je vais vous montrer mes bottes. Elles me vont. Alors, j'aurais dû peut-être les prendre en 38, mais j'avoue que je me suis dit, écoute, si cet hiver tu mets des chaussettes un petit peu plus épaisses, finalement, c'est pas si mal que ça. Mais je pense qu'un 38 aurait été bien. J'ai l'impression que les bottes en caoutchouc sont toujours un tout petit peu plus grandes. Mais je les ai essayées hier et pour mes mollets, c'est nickel. Donc, pour rappel, en hiver, je traverse un champ. Et du coup, bah oui, qui dit boue, pluie, enfin tu vois, t'as compris dans quelle saison on arrive. Malgré que pour moi, ce soit une saison hyper chaleureuse en réalité, hormis le temps dehors. Mais en vrai, j'aime bien voir les feuilles tomber, j'aime bien ce côté, t'es chez toi, tu mets tes petites bougies. Là, faut que je recommande des bougies sur Amazon, là, celles qui sont là, elles sont trop bien. Je regrette d'avoir pris celle-là, j'ai payé 9€ celle-là finalement sur Shein. J'aurais dû mettre 10€ de plus finalement pour avoir les autres sur Amazon. Parce que vraiment, c'est un investissement, mais c'est tellement beau. Donc j'avoue, je regrette un peu. Bref, donc on en revient aux bottes. Donc je vous disais, elles sont comme ça. En fait, j'aime bien les détails. Je trouve que c'est assez classe. Ça fait pas genre la vieille botte en caoutchouc toute pourrie là. Et c'est des Anafield. Et vous voyez, une petite boucle un petit peu dorée comme ça. Elles sont bleu marine, elles sont pas noires. Elles existent en noir, mais en fait, le dessin était moins visible. Je me suis dit, je m'en fous, je préfère prendre des bleus. Donc j'ai pris en 39. Et alors, ce qui est chouette, c'est que derrière, vous voyez, vous avez ça pour régler. Et finalement, bah, je l'ai mis au plus petit parce qu'elles taillent quand même relativement bien large. Elles sont bien. Donc ça va être mes meilleures copines pour tout l'hiver. Enfin, automne et l'hiver. Elle coûte 45€, on va dire, si j'arrondis. Je me dis, tu vois, ça fait un peu botte, un petit peu habillée quand même, sans que t'arrives en mode salut, c'est moi la campagnarde. Bon, j'ai rien contre ça, mais j'en ai marre d'arriver en mode clochard à l'école. Donc, je me dis, c'est le moyen d'être protégée tout en étant un petit peu stylée. Ouais, du coup, je vous avais dit, j'ai reçu une invitation pour aller au Energy Creator Night. J'ai confirmé que je venais. J'ai une de mes meilleures potes, du coup, qui a confirmé qu'elle venait avec moi. Voilà, je me suis dit, ça peut être super sympa. J'ai discuté avec certains créateurs qui y vont et qui sont nominés pour certains. Dans des catégories. Du coup, bah, je fais mes petits votes aussi. Hein. Je vote pour les copains, les copines, et puis les gens qui m'inspirent et qui font du bon contenu. Il y a quand même des bons. Il y a des personnes qui font du très bon travail. Donc, je pense que ça va être une soirée chaleureuse, sympa. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Donc, j'espère que je vais pas être déçue. Au mieux, je passe une soirée avec ma meilleure amie. Enfin, une de mes meilleures amies. Voilà, j'en profite un peu. En plus, ce sera 3 jours après mon anniversaire. Donc, c'est un peu comme si c'était ma fête aussi. Il y a un dress code, c'est chic et décontracté. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien mettre un pantalon palazzo, genre noir, qui soit taille haute. Et puis genre, soit je prends un chemisier que je rentre un peu dedans, je laisse tomber. Je vais mettre sûrement mes chaussures, mes Gio. Elles sont vraiment super jolies, je les aime trop. Donc je pourrais partir sur ce côté un petit peu doré, machin. Et aussi, demain, je vais voir la coiffeuse de mon fils. Je vais au petit salon, à discuter un petit peu en fait de ce qui est possible de faire. J'ai vraiment envie de changer de tête. En fait, j'ai dit à mon mari, voilà, ça c'est ma coiffure de tous les jours. Est-ce que c'est vraiment une coiffure? Non, c'est pas une coiffure, on est d'accord. Mes cheveux, je veux qu'ils poussent, je veux qu'ils soient beaux, je veux qu'ils machin. Mais en fait, j'ai chaud, ils sont abîmés. Voilà, donc en fait, j'ai pas de coiffure. Parce que même si je les défais, en vrai, c'est ce que je disais à mon mari, je n'ai que des... Voilà, j'ai pas de coiffure, même si je fais l'arrêt au milieu. J'ai vu des coiffures qui me plaisent bien. Je pense que de toute façon, déjà, je vais couper une bonne partie. Parce que voilà, une bonne partie, la meuf a pris 3 cm. Et puis comme disait mon mari, tu passes ton temps à les attacher comme ça, alors est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des cheveux longs? Et je l'ai toujours dit, en fait, si t'as les cheveux longs pour avoir zéro coupe dedans, soit les avoir longs qui tombent comme ça, ou alors attachés comme je fais, comme le charme, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non, vaut mieux peut-être laisser un petit peu tes cheveux. Donc j'ai trouvé des coiffures qui me plaisaient bien, et au niveau couleur, j'ai aussi des couleurs qui me plaisent bien. Donc maintenant, le but, c'est de voir, eh ben, écoutez, si c'est possible sur moi, qu'est-ce qui pourrait m'aller. Je suis assez... Enfin, si vous me connaissez, vous savez que je suis assez sauvage là-dessus. J'ai très peur des coiffeurs. J'ai trop été ratée dans ma vie. Du coup, Zoé a ma totale confiance, mais Zoé, elle part en vacances. Et je vous avoue qu'avec cette soirée qui arrive, j'ai envie de me sentir bien dans mes baskets, j'ai envie de me sentir femme. Je me sens déjà être sur le bon chemin. Tu sais, quand t'apprécies pas forcément ton corps, ta peau, ou j'en sais rien, enfin voilà, je me trouve pas spécialement jolie. Ben, je me dis, quelques petits artifices, des fois ça peut aider. Une nouvelle coiffure, une nouvelle couleur. Et puis au niveau make-up, bon, je sais que je vais y aller avec un truc sobre. J'ai pas envie de faire un truc compliqué. Mais par contre, je vous avouerai que j'ai vu des beaux maquillages là pour la période qui arrive. J'étais là, waouh. Et en fait, du coup, comme je voudrais réarranger mon côté maquillage, je regardais comme ça et j'étais là, waouh. Genre, j'ai une palette, c'est la Nabla. Genre, elle est trop belle et j'étais là.
J'ai quand même des beaux trucs. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien redécouvrir un petit peu ce que j'ai. Sinon, aujourd'hui, du coup, bah finalement, la journée va être beaucoup plus longue que les mercredis habituels. Aujourd'hui, bah là, ce matin, je vais, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai pas encore assez de lumière pour filmer, je vais continuer tout ce qui est démarchage, voir les marques avec qui j'ai envie de travailler, les contenus que j'ai envie de faire. J'espère vous faire un lookbook d'automne. J'ai envie de faire ça. J'ai trouvé un compte Instagram d'une nana. Je crois que c'est une américaine. J'aime trop son style. Mais quand je vous dis j'aime trop son style, c'est genre, si j'étais bien dans mon corps, c'est exactement le style que j'aimerais bien avoir. C'est à la fois classe et à la fois moderne, je trouve. Je vous mettrai son Instagram en bas si vous voulez aller voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, bon, faut pas oublier que je vais avoir 43 ans, là. Hein, donc, j'ai pas des goûts de genre il y a 20 ans. Mais j'ai toujours eu ce côté, même quand j'avais 15 ans, j'ai toujours aimé les choses un peu vintage. Les choses pas forcément à la mode à ce moment-là, mais des trucs que tu vas trouver comme ça. C'est des coups de cœur. Je fonctionne beaucoup aux coups de cœur. Genre, si je vais dans une friperie, je peux très bien craquer pour un truc qui est ultra vieux. Et genre, on va me dire, mais c'est pas du tout la mode. Mais moi, je m'en fiche. En fait, si je l'aime bien, je l'aime bien. Hier aussi, je vous avais dit, j'avais vu une nana sur Instagram qui customisait des vestes oversize de jeans. Enfin, des vestes en jeans oversize. Et hier, j'ai pris mon courage et je faisais des notes vocales à ma soeur. J'ai découpé ma veste. Et après, j'étais là. Est-ce que ça va donner bien? Je vais essayer. Mais voilà, je me suis lancée, donc je vous montrerai le résultat. 8h39, il est temps d'aller travailler. Je me suis réveillée à 4h. Alors s'il vous plaît, les signes du destin là, 4h04, 0404, arrêtez. Quand je peux me lever à 5h30, me faites pas me lever mes fesses du lit à 4h, ok? La vie, c'est pas ça, d'accord? Bref, sur ce je vous laisse, on se retrouve probablement plus tard dans la journée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je suis rentrée de chez la coiffeuse il y a pas longtemps. Je pense que vous voyez un petit peu, je suis passée du côté un petit peu cuivré. C'est très joli, mais je vous avouerai que c'est comme à chaque fois que je change de couleur de cheveux, je suis là. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? J'étais pas mieux avant? Est-ce que ça me va bien? Est-ce que j'ai demandé bien évidemment encore et toujours une frange? Je persiste et je signe avec ça. On a raccourci aussi. J'espère juste c'est de réussir à me coiffer bien et que ça fasse joli. Par contre, quand j'ai regardé à la lumière du jour, c'était tellement vachement plus joli. En fait, là, quand il n'y a pas de lumière, t'as l'impression que c'est un petit peu éteint, mais en vrai, c'est une très belle couleur. Et maintenant, par contre, il faut juste que j'arrive à réarranger mon maquillage, parce que j'ai voulu me maquiller, mais j'ai l'impression que j'ai pas réussi mon maquillage, que ça me plombe un peu, justement. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, genre, je suis allée en pleine lumière, et je pense qu'il faut pas que je fasse foncer comme ça. Je regarde un petit peu comment elles sont maquillées, les meufs qui ont des cheveux de cette couleur-là. En tout cas, j'étais venue vous montrer ça, donc voilà. J'ai du boulot à faire aujourd'hui. Vraiment, je suis en retard sur pas mal de trucs. J'arrive pas à sortir de cette léthargie du moment. Je suis vraiment un pied dans je me sens bien et je me sens pas bien. Je sais pas si c'est la transition là, de l'automne qui arrive. En plus, il pleut dehors, il fait pas super beau. Par contre, je viens d'apprendre une super bonne nouvelle justement par une des coiffeuses du salon. Genre, il y aurait un bus qui viendrait chercher mon fils dans ma rue le matin et qui pourrait le ramener le soir. S'il vous plaît, pourquoi vous m'avez laissé dans la mort? Alors moi, comme il va à la garderie le soir, je pense qu'il y aura des aménagements à faire, mais ça pourrait être hyper pratique pour tous les matins aller à l'école. Franchement, moi ça m'arrangerait bien. Après, je me suis dit avec mon cœur de maman, je me suis dit, ouais, mais 3 ans, c'est un petit bus. Mais c'est un petit bus, hein, vraiment. Elles m'ont dit, ils seront attachés avec les ceintures et tout. Il y a une des coiffeuses, ses fils, ils prennent le bus. J'étais là, ouais, mais 3 ans, je vais le laisser au bus. Petit bisou et après, je peux plus... Enfin, je suis pas à l'école. Je me dis quand il va descendre à l'école, comment ça se passe? Mais bon, il faut un moment que je vois un petit peu ce qui est pratique aussi pour lui et pour moi. Donc je vais écrire à la directrice de l'école, je pense. Je vais demander. À voir. En tout cas, c'est la bonne nouvelle du jour. Je me dis, est-ce que l'univers, ça y est, a fini de me tester? Et de me détester? On verra bien. Bon, j'espère qu'on m'arrive à trouver que c'est joli. Dimanche, on fête notre anniversaire de mariage. Alors je sais que bon voilà, l'important c'est moi en vrai ce que je trouve, est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Je vais aller manger parce que j'ai faim et que j'ai pas pris de petit déj ce matin. Donc qu'est-ce que c'est? Et je vais mettre ma batterie à charger, comme ça je vous récupère tout à l'heure, on discutera un petit peu plus. Bon les gars, zéro respect, je vous ai posé sur l'étagère de la cuisine. Comment vous dire que j'ai un mal de crâne de malade? Dites-moi s'il y en a qui sont comme moi. En fait par exemple, vous voyez, quand je fais un changement de quelque chose, vraiment, mon corps il somatise et genre ça m'a donné mal au crâne, comme si j'avais fait un truc de ouf. Mon corps il a plus d'énergie là, vraiment. Et je me suis sentie d'un seul coup prise de nausée, pas bien. En fait parce que j'avais beaucoup de compliments, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient que ça m'allait bien et tout et tout. Et en fait dans ma tête je me suis dit, ah ouais mais non, mais en fait ils voient peut-être pas très bien, peut-être que sur les photos ça donne bien, parce que mes photos en soi je les retouche pas vraiment, dans le sens où voilà, le grain de peau tout, bah ça c'est moi, mais je suis en face de la fenêtre, donc clairement quand l'éclairage est vraiment bien, bah t'as une belle peau. Bon après je vais pas me plaindre de ma peau, hein. Malgré que je trouve qu'en ce moment j'ai le teint un peu terne, mais ça je vais travailler dessus. Et du coup j'ai toujours l'impression d'être une arnaque. En fait quand je regarde les photos je me dis, oui c'est moi, oui j'ai pas modifié genre la taille des yeux,
le contour et tout. Des fois je mets un filtre, là ça a été le cas, en fait j'ai retouché la luminosité pour que ça donne joli et tout, mais genre je regarde la photo, je me dis j'ai l'impression que c'est une arnaque, alors qu'en vrai genre bah, c'est moi. Mais je sais pas comment vous dire, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est genre plus. Bref, en fait je suis venue dans la cuisine pour vous montrer deux trucs, quatre trucs, mais en fait il y en a deux de chaque. Le premier c'est ça, j'ai pris ça sur Shein pour faire des petits, c'est des moules en silicone pour faire des petits cakes. Et regardez celui-là s'il vous plaît, il est pas trop mignon. Avec des glands et des petites feuilles comme ça. Ah non, en fait j'ai menti, j'ai encore un autre truc à vous montrer. J'ai lavé ma tasse citrouille, ça y est, oui, parce qu'on va passer en mode... Bon, je suis en mode automne. La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, on décore la maison. Je vais commencer à sortir des trucs. Mais elle est pas trop jolie. Si, vous avez pas bien vu, c'est pour ça que vous dites non. Mais elle est belle. Ça, c'est les trucs dont je voulais vous reparler. Vous savez que je me suis mise à la diète. En fait là, comme j'ai dit, je voudrais vraiment refaire un 360 sur moi, c'est-à-dire aussi bien mental, physique que environnemental, même au niveau de mon travail professionnel, enfin plein de choses. J'ai envie de reprendre vraiment ma vie de femme, en plus de ma casquette de maman, d'entrepreneur et d'épouse, parce que la partie femme a été mise en de côté un bon moment, et je pense que là, il est temps pour que dans cette maison tout le monde soit épanoui, que moi la première, je me fasse passer en priorité. C'est très dur pour moi, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui est... je suis beaucoup dans le besoin des autres en fait, j'aime bien savoir que les autres vont bien, j'aime bien si je peux soulager mon mari par exemple, je le fais, alors qu'au final tu te dis, bon l'inverse ce sera un peu bien aussi, et j'ai un peu du mal. Et donc du coup c'est vrai que bah, j'ai amorcé cette perte de poids, les 20 kilos que j'ai pris pendant ma dépression du postpartum, je veux vraiment les perdre, pas que j'ai envie genre... C'est pas comme quand j'étais jeune en mode ouais je voudrais faire telle taille, je voudrais faire comme ci machin, parce que ça je l'ai déjà atteint et clairement j'étais pas plus heureuse. Donc clairement j'ai compris que le problème venait d'ailleurs. Le truc c'est qu'en fait là j'ai envie d'être épanouie en tant que femme, c'est à dire que je vais avoir 43 ans la semaine prochaine. Dimanche c'est mon anniversaire de mariage, enfin notre anniversaire de mariage. J'ai envie vraiment de me sentir accomplie en tant que femme, parce que là vraiment pour moi le goal c'est que quand j'arrive dans ma cinquantaine, ça fait trop chelou de dire ça, mais que quand j'ai 50 ans je sois une femme épanouie. Je vois des tas de femmes vachement magnifiques à 50 ans et je me dis je veux pas arriver en mode... Comme là, je me retrouve perdue, tu vois. Logiquement, il va pas y avoir de gros événements d'ici là, dans le sens où je prévois pas de faire de bébé, voilà, ça c'est déjà fait. Donc il y a pas quelque chose qui devrait perturber cet écosystème bancal que j'ai dans la tête. Mais je me dis là maintenant, en fait, t'as le droit de prendre soin de toi, t'as le droit de prendre du temps pour toi. Et en fait, il faut que j'arrive à enlever cette culpabilité de quand je prends un peu de temps pour moi, de me dire ouais, mais alors j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire ça. En fait, moi je transforme tout en... Si je prends... Allez, je dis une connerie, mais une demi-heure pour me faire un petit massage des pieds en mettant un masque ou quoi que ce soit, je me dis, ouais, mais j'aurais pu faire la vaisselle, j'aurais pu faire les carreaux, j'aurais pu ranger ça, j'aurais pu commencer à filmer ça, monter ça. Tu vois, en fait, je le fais qu'en rendement. Et en fait, je ne fonctionne que comme ça, en productivité et en rentabilité. Et en fait, je me dis, ça, c'est parce que vraiment, j'ai eu ce mode de fonctionnement avec YouTube et les réseaux sociaux. Et je me dis, en fait, aujourd'hui... Audrey, il serait peut-être temps de prendre du temps pour toi, pour ta famille, d'être épanouie. J'ai envie en fait d'être souriante juste parce que je trouve que la vie elle est belle, tu vois. Pas juste genre je souris sur un selfie et après je suis là en mode je sais pas si je vais bien. Ou alors aidez-moi, je suis dans la quête du bien-être. Non, le but c'est vraiment de se sentir bien. Et je sais que si je perds du poids, je me sentirai bien à la fois parce que je vais reprendre, enfin je pourrais reprendre une activité sportive sans être morte au premier exercice. Donc bah évidemment ça se fait petit à petit. Donc l'idée c'était en fait, comme je vous avais dit, de remettre des habitudes dans mon quotidien. Donc la première a été, enfin la première chose que j'ai voulu faire au quotidien, c'est de la méditation. Je me suis dit, il faut absolument que tu apprennes à trouver un style de méditation qui te convienne pour vraiment t'apaiser. Le moment où je médite, généralement, moi, c'est le soir avant d'aller me coucher. Je trouve que ça me fait du bien, j'ai l'impression que ça enlève les énergies de la journée, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça m'enlève vraiment tout ce que j'ai à l'intérieur qui pourrait potentiellement gêner un sommeil vraiment... réparateur. Donc je fais ma petite séance de yoga qui généralement dure une dizaine de minutes et je m'endors et voilà. Bon après je vous avoue, je prends de la mélatonine aussi en gummies et elle fonctionne très bien et elle est vraiment très bien. Donc je la prends pas tous les soirs, il y a des soirs où je l'oublie, où j'en ai pas besoin, où je suis naturellement entre guillemets fatiguée, je sens que je vais m'endormir toute seule. Mais il y a des fois où ouais je vais avoir un petit pic de stress, où je vais trop cogiter, à ce moment là je la prends. Et là ça fait un bon petit moment quand même que j'ai réussi en fait à installer ma routine. Évidemment on me dit souvent que c'est 21 jours pour qu'une routine soit bien ancrée et après bah, le but c'est de remettre une nouvelle routine. Bon là ça fait déjà quand même 2 semaines facilement que je fais la méditation le soir. Bah, là j'ai décidé de rentrer une nouvelle routine qui est le pilates au mur. Donc je crois que je vous l'avais dit, j'ai repris le pilates au mur avec Marine. J'ai sorti le livre mais je vous avouerai que je regarde les vidéos, j'aime bien la voir, j'aime bien l'écouter en fait. J'ai l'impression de pas être seule et j'ai l'impression de faire ça avec quelqu'un. Ce que je fais c'est que généralement je regarde la séance avant et après je la remets pour la faire. Ça me permet de voir déjà les exercices qu'on va faire. J'ai déjà fait 2 séances. Ça va être la 3e séance aujourd'hui. Je vais aller la faire tout à l'heure. Du coup, dans ce cadre-là, évidemment, l'alimentation, vous le savez, dans une perte de poids, est à 80% quasiment le truc
qu'il faut bien gérer. J'ai vraiment arrêté tous les grignotages, malgré que j'étais pas une grignoteuse, mais en fait je m'étais rendu compte en notant mes repas que je l'étais devenue. J'ai arrêté les grignotages. Ce qui aide aussi beaucoup, c'est que quand je suis toute seule, en vrai, j'ai pas tendance à grignoter. C'est quand il y a mon fils ou quand il y a mon mari, pécho un petit truc comme ça et voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est beaucoup miser sur le meal prep. Donc c'est à me préparer en fait des bases, genre de riz complet, de quinoa, de pâtes, de tout ce que tu veux, de façon à me dire voilà, si je sais pas quoi faire un jour à manger, je vais pas me dire oh bon allez je fais ça, flemme. Voilà, je me dis je prends une base, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec. Genre ce midi j'ai mangé un truc de cette marque là. Donc ça m'a été offert, envoyé par la marque, donc c'est la marque Live Happy Food. C'est du konjac mais pas que, parce que moi je vous avouerai que j'ai déjà mangé du konjac comme je vous l'ai dit, et le konjac je le digérais pas super bien, et je trouvais aussi que la texture était beaucoup trop croquante. T'avais beau le faire cuire, bien le rincer, le faire cuire et tout, la texture tu sentais qu'il y avait un truc. Là en fait il y a de l'avoine dedans, alors il n'y en a pas non plus un milliard, mais honnêtement le peu qu'il y a dedans fait que ça rend le truc plus moelleux, et honnêtement pas de lourdeur d'estomac, pas de douleur au ventre, j'arrive à manger un paquet entier. Voilà, il y a spaghetti, riz, je crois qu'ils ont tagliatelle, ils ont aussi les nouilles, donc ça c'est ce que j'ai mangé ce midi, mais il y a aussi lasagne. Honnêtement je vais vraiment me pencher dessus après, parce qu'en vrai ça m'a comblé le ventre. Donc j'ai mis genre quelques champignons dedans, j'ai mis quoi encore, un peu de sauce de cacahuète, une cuillère à café d'huile de cacahuète aussi. J'ai mis ça, j'ai mis une petite saucisse dedans. J'ai tout fait revenir dans ma poêle, voilà. Bon évidemment le konjac je l'avais rincé avant, je l'ai bien égoutté, mais honnêtement c'était super bon. C'était vraiment très bon. Et alors ce que j'aime bien dans les nouilles, parce que au début je me suis dit ouais ils m'ont mis les nouilles, mais ils m'ont mis aussi les spaghettis, c'est pareil. Mais non, en fait les spaghettis sont quand même plus épaisses que les nouilles. Les nouilles elles sont vachement fines, et je les trouve vachement plus agréables encore. Genre en pâte thaï ou genre comme un wok, c'est hyper bien. Et c'est vrai que bah du coup il n'y a pas de calories réellement dedans. Alors qui dit il n'y a pas beaucoup de calories, il n'y a peut-être pas beaucoup de nutriments non plus. En fait c'est l'équivalent plus ou moins d'une, au niveau calories hein, je vous parle. Ça c'est simple, ça fait 200 grammes, donc en fait il y a 70 calories dedans, 70 calories pour les Belges. C'est vrai que ça permet en fait d'avoir un repas assez gourmand et assez copieux, et de bien manger. Et le soir en fait c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que le soir j'ai pas forcément d'appétit. Mais c'est à dire que genre vraiment une soupe et deux galettes de maïs c'est bon quoi. Et encore des fois je termine même pas ma soupe, mais ça je sais que c'est pas bon. Sous-alimenter son corps, faut savoir s'écouter, mais en fait si tu manges pas des protéines, si tu manges pas voilà ce qu'il faut pour donner du carburant à ton corps, lui il va puiser et au bout d'un moment il va se dire ouais elle me donne pas assez, je vais me mettre en mode guerre, et j'aurais beau manger du vent, je vais grossir quand même. Donc ça c'est un problème chez moi en plus, parce que moi je prends très vite les kilos, autant je peux en perdre rapidement. Bon maintenant peut-être pas hein, parce que j'ai 40 balais. C'est vrai que fut une époque je perdais rapidement, mais je prenais aussi rapidement. Donc là on va y aller lentement mais sûrement, le but étant de prendre de la masse musculaire. Je vous avouerai que je vais beaucoup miser sur l'avoine, parce que moi c'est un truc que j'adore. J'ai fait des galettes d'avoine d'avance d'ailleurs, parce que le matin c'est un truc que j'adore. Je suis très petit déjeuner salé, très petit truc comme ça. Donc je me dis en fait, en vrai si j'analyse bien mon alimentation, honnêtement elle est pas crado. Elle est vraiment pas crado. Donc je me dis t'as toutes les chances de ton côté. Donc maintenant en fait ce qu'il faudrait c'est vraiment booster la masse musculaire de façon à vraiment gagner en muscle, perdre en graisse, parce que du coup mon corps va être beaucoup plus, va brûler plus de carburant on va dire, et ça c'est important, parce que là à l'heure actuelle clairement j'ai plus de graisse que de muscles, mais c'est surtout que à partir d'un certain âge on a une fonte musculaire, et là je me dis en fait Audrey t'es en train de déconner. Donc voilà, je me suis remise au pilates au mur, et mon but c'est vraiment que ça devienne une routine, un style de vie, que ce soit comme si je me brossais les dents, de me dire aujourd'hui je fais ma petite séance. C'est vrai qu'avant quand j'étais plus jeune j'étais du style à faire genre des séances, je me disais ouais faut que je fasse à fond une heure, que je transpire à mort, j'étais très cardio, et en fait non, aujourd'hui c'est tout l'inverse. Aujourd'hui je veux que ce soit des choses assez douces mais qui travaillent vraiment le muscle en profondeur, et surtout qui soient peut-être courts mais beaucoup plus régulier. Il y a eu une période, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais déjà sur YouTube, hein. Je faisais 2 heures de sport par jour, tous les jours. Je faisais 14 heures de sport par semaine. Mais genre à la salle, j'étais au Basic Fit à l'époque. Je faisais genre 1 heure de cardio et... Non, 1 heure et demie de cardio et 30 minutes de renfo. Ça m'a valu quoi? Ça m'a valu qu'au bout d'un mois, j'ai pas perdu de poids. J'ai eu la dépression du sportif, cherché sur Google. Ça m'a dégoûté du sport, évidemment. Donc c'est pour ça, c'est important quand même de se mettre des objectifs qui sont des objectifs de vie et pas juste des objectifs de poids ou d'image ou quoi que ce soit. Là, ça me fait trop bizarre de me voir... Oui, Kiki, ça me fait trop bizarre de me voir avec les cheveux de cette couleur-là. Mais je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très, très beau. Regardez comme ça. Moi, j'adore. J'ai toujours adoré ça. Bon évidemment moi j'ai des petits cheveux de merde hein, qui décident, vous voyez ma mèche elle décide de faire comme ça, alors vous voudrez qu'elle parte comme ça. Donc j'hésite à prendre une brosse soufflante, si vous en avez une dites moi si c'est bien pour faire les brushings ou pas. Je ne sais pas faire un brushing, je ne sais pas faire un brushing, je ne sais pas me coiffer. Donc voilà c'est triste et malheureux mais c'est comme ça. Je sais me coiffer qu'au steam pod, c'est grave hein. C'est à dire que je sais pas prendre une brosse et faire comme ça. Soit si j'essaie de faire comme la coiffeuse et la brosse elle s'enroule dans mes cheveux, soit je fais n'importe quoi et au bout d'un moment je fais oh ça me saoule. Bref t'as compris, le brushing c'est pas pour moi. En tout cas pour revenir là dessus je continue le test, il me reste
4 boîtes. Je vais les prendre exclusivement le midi et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, j'en ai déjà mangé 2, donc je peux en fait me faire une idée, parce que si j'avais dû avoir quelque chose, ce serait arrivé direct. Pour l'instant, moi, je valide au niveau de mon estomac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lourdeur, j'arrive à le manger facilement. Et il y a un truc aussi que je fais qui est bon à faire, mais qu'on fait pas tous. J'essaie de manger en pleine conscience. J'essaie de pas trop faire quelque chose sur le côté. J'essaie vraiment de me focaliser sur ce que je mange, la sensation que j'ai quand je mâche dans ma bouche, le goût, et aussi le fait de poser ma fourchette à chaque fois que je mange une bouchée. Et ça, c'est dans le truc de Marine, parce que c'est vrai qu'on a tendance à plus vite remplir sa bouche et puis faire autre chose sur le côté et tout. Avant, genre, je mettais mes mails, YouTube, enfin, j'avais 32 000 trucs à côté, et en fait, j'avais fini de manger et j'étais là, bon, qu'est-ce que je mange encore? Ou alors, ça avait pas eu le temps de descendre dans l'estomac, ou alors au contraire, c'était descendu tellement vite que j'avais un dumping où j'étais pas bien. Là, maintenant, j'essaie d'avoir un rythme de vie beaucoup plus posé. J'ai envie d'être une personne âgée posée plus tard. Je veux pas être une vieille aigrie, pile électrique, relou. Donc c'est maintenant qu'il faut vraiment que je fasse ça. Et alors j'avais vu que Tatiana, Tinka Beauty, elle a fait il y a pas longtemps une séance, en fait elle a fait ça avec son bol, j'allais dire enchanté, son bol musical, j'adore ça, hein. J'ai une connaissance qui le fait aussi, elle m'a déjà proposé et honnêtement si j'avais pu le faire tout de suite je l'aurais fait. C'est un truc qui m'attire vraiment, j'ai envie d'essayer un jour et je me dis si j'ai l'occasion de le faire, de vraiment faire cette petite session, vraiment bien-être, respiration, méditation et tout, avec d'autres personnes, je pense que je le ferai. Bon, sur ce il est 15h. Ouais, 15h, il faut vraiment que je me bouge les fesses. Je vais aller faire ma séance de pilates qui va durer plus ou moins un quart d'heure, même pas. Et on se retrouve probablement demain matin pour la clôture et pour qu'on discute un peu. Et alors pour voir ma tête après le réveil. Et puis voir si je vais me taper la pluie. Mais je veux dire, vous savez que quand je viens de chez coiffeur, c'est plus ou moins potable. Quand je me tape pas la pluie et le vent. Là, ça a été, ça a pas été le cas parce qu'on m'a ramené. Mais demain, après une bonne nuit de sommeil, quelle sera la tête de cette femme? Qu'est-ce que je vais faire de ma tête? Ah si, je vous ai pas dit. Non, je suis obligée de rester encore un peu. Putain, mais cette vidéo va trop longue. Hier, j'ai vu une petite Carline à l'adoption. 4 ans. En Belgique. Exclusivement pour la Belgique. Du coup, j'ai essayé d'un petit peu en parler à moi. Et je dis, ouais, il y a une petite Carline, elle est en adoption, elle a déjà 4 ans. Et Milky va avoir 5 ans, donc ça tomberait pile poil dans mes âges pour qu'elle ait une copine. Mon mari m'a dit non. En même temps, en vrai, au fond de moi, je me dis, je sais qu'il a raison. Parce que ce qu'il m'a dit, c'est genre, oui, si on part en vacances, enfin, on va pas imposer 2 chiens à mes parents. Puis, bah voilà, les carlins, on le sait, c'est fragile. Hein. Puis, je veux pouvoir apporter les soins à mon animal, quoi. La raison voulait qu'il ait raison, mais mon cœur à moi me disait, j'ai trop envie d'avoir ce bébé. Bref, du coup, moi, elle a dit non. J'espère qu'elle trouvera une belle famille. Et alors, après, je vois passer un truc. C'était une petite chienne pour famille d'accueil. Et là, je me dis, c'est le bon deal, ça. Ça permet en fait à Kiki d'avoir une copine. En fait, Kiki, j'ai l'impression qu'elle se sent seule des fois. Est-ce que tu te sens seule, ma Kiki? Je sais pas, je me tâte à parler à mes proprios, leur faire la proposition. Mais j'ai vu qu'on pouvait peindre le sol. Donc je m'étais dit, je pourrais combler les petits... les rainures là. Je pense qu'il faut mettre une sorte de joint. Et après, une fois que tout est un peu plus ou moins à niveau, peindre. J'ai rien contre les carreaux comme ça, mais en fait, comme j'arrive pas à rattraper la couleur du blanc, là... Non, y a rien, Kiki, elle croit que j'ai montré un truc à manger. Bah du coup, voilà. En fait, pour moi, c'est soit il faut qu'il y ait un sol tout foncé, soit il faut qu'il y ait un sol clair. Ou alors un comme dans mon couloir, tu vois. Là, oui, effectivement, c'est plein de couleurs, mais t'as vu, il y a un cachet. Donc ça me pose un petit problème. En fait, quand t'arrives ici, je trouve que vraiment, c'est très joli. Moi, j'adore le carrelage comme ça. Mais là, non, il y a un truc, ça va pas. Ça ne va pas, Kiki. Donc comme je suis dans un mood où j'aimerais bien, voilà, après je sais que je suis pas propriétaire et tout, donc il faudra que j'en parle à mes proprios. Mais je sais pas ce qu'on peut faire pour ça. J'avais pensé mettre un film, mais avec la porte ça va pas, il y a un niveau qui va pas. Mais je me dis peut-être que peindre, il y aurait moyen. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, il fait froid et nous sommes clairement dans un temps d'automne. Ce matin on a pu mettre nos bottes de pluie et nos imperméables avec le petit, on a pris le parapluie et on est parti tranquillement à l'école. Ça m'a fait bizarre parce que du coup comme il pleut, ben, les maîtresses sont pas dehors et quand je suis arrivée, ben, je l'ai juste fait rentrer dans le sas, mais moi je suis pas rentrée donc il pleurait un peu. Mais ça s'est bien passé quand même. Je sais que ça dure 5 minutes chez lui et après une fois que je pars, il s'accroche aux maîtresses. Clairement je suis dans un mood d'automne. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, même ma couleur est dans un mood d'automne. Écoutez, franchement c'est très joli. Sauf que bah évidemment j'ai déjà pris 2 fois la pluie sur la tête. J'ai fait une séance de sport. La coupe de cheveux, elle est déjà soumise à des rudes épreuves. Mon chéri m'a dit ouais, ça te va bien cette couleur là et tout. Et c'est une des couleurs que j'ai jamais réellement testée. Pourquoi? Parce que j'étais persuadée d'aimer les couleurs froides et d'avoir une peau, un teint qui était fait pour les teintes froides. Et en fait, on a fait un test de colorimétrie et il s'agirait que je suis plutôt du côté des teintes chaudes. Et au final, bah, je me dis ouais, c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Donc voilà, on va voir dans l'évolution du temps. Je verrai avec Zoé aussi ce qu'elle en pense et s'il y a moyen après peut-être
je sais pas, quand on arrivera vers l'été, de faire des mèches, voilà, de faire quelque chose en fait après qui puisse faire que je perdure avec cette couleur là, mais qu'on puisse au fil du temps un peu la travailler. Ça fait du bien. J'ai coupé les cheveux un petit peu aussi, donc ils sont plus courts et ça fait du bien aussi. La semaine prochaine, on va faire la décoration d'automne. Donc je suis en train de regarder. Il faut que je sorte un petit peu ce que j'ai. Parce que le but, c'est pas de racheter. Le but, c'est de regarder ce que j'ai, ce que je peux rendre un petit peu sympa. Voir ce que j'ai déjà chez moi qui peut aussi être peut-être un petit peu customisé en automne. Changer aussi les affiches. Mais pour ça, il faut que j'achète des cadres. Donc il va falloir que je passe chez Action et que je prenne les mesures de mes cadres. Mais ouais, clairement je suis dans ce mood là, le mood où vraiment tu penses aux plats réconfortants, aux petits plaids. J'attends juste le moment où je vais me plaindre et je vais dire ah, j'en ai marre de la pluie, j'ai froid. Je sais pas quand est-ce que ce sera, mais ce sera sûrement dans pas longtemps. Cette semaine s'est bien passée, la rentrée s'est bien passée, le petit il a été cool, ce matin il était trop mignon. En fait quand je monte, parce que je me réveille avant tout le monde dans cette maison, je descends, je bois mon petit matcha et tout là. Puis quand c'est l'heure où je monte le chercher, en fait je ne fais pas attention au bruit que je fais. Moi, j'arrive pas comme un dinosaure. Mais voilà, je monte et je sais que s'il m'entend, il va faire « Maman, maman !» Et donc du coup, j'ai dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me dit « Tu peux ouvrir la porte ?» Je lui dis « Il manque pas un mot ?»« S'il te plaît !» Donc du coup, j'ai ouvert la porte et puis bah, après, j'ai été dans la chambre faire le lit et tout et tout. Je le vois arriver avec son petit doudou en couche-culotte. Il avait retiré son pyjama parce qu'en fait, ah oui, d'ailleurs, il faut que j'ai changé les draps. Il a mouillé un peu ses draps. Il a fait un énorme pipi et je sais pas, ça a débordé. Il est venu, on a fait un câlin. Il était vraiment trop mignon ce matin. C'est vraiment un petit moment hyper cool. Bon, évidemment, Robin, c'est un peu comme le temps en Belgique, c'est-à-dire que après ça a changé. C'est-à-dire quand on était sur le chemin, il voulait en faire qu'à sa tête. Mais voilà, après il a trouvé des petits escargots. Je voulais absolument qu'il les mette dans l'herbe avant d'aller à l'école, parce que après moi je sais pas trop comment il fait pour les mettre. Enfin, comment ça se passe à l'école, et puis j'ai pas envie qu'il leur fasse mal. Donc on s'est arrangé pour que je puisse aller les mettre dans de l'herbe. Bah écoutez, ma foi, mes bottes sont plutôt pas mal, elles tiennent chaud. Alors moi, comme j'ai le pied fort, j'aurais tendance à dire quand même que mon pied gauche est un petit peu compressé, vite fait. Mais je pense que ça va passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Aujourd'hui, bah déjà, je vais décharger ce vlog-là pour pouvoir le monter, pour qu'il soit en ligne dimanche. J'ai du montage à faire pour les deux réels que je devais faire, là. Et j'aimerais bien cuisiner aussi, je dois faire des lasagnes. Enfin, je dois faire. J'ai sorti de quoi faire des lasagnes pour mon mari et mon fils. Ah oui, j'ai aussi... Alors attention, ça c'est une grande nouveauté pour moi. Et franchement, je sais... Mon mari m'a dit, ouais, c'est bien ce matin quand je lui ai dit. Mais je lui ai dit, attends, avant de me féliciter, on va voir déjà si j'arrive à le tenir. Je lui ai dit, écoute, j'ai décidé de faire le ménage lundi et le vendredi. J'ai dit, pourquoi? Parce que le lundi, bah, c'est le début de semaine, j'ai envie que la maison soit propre et c'est la sortie du week-end, donc la maison est ravagée. J'ai dit, le vendredi, on arrive au week-end et je me dis, voilà, j'ai envie que la maison soit propre... pour qu'on puisse passer un bon moment. Il m'a dit, ah ouais, non, c'est bien et tout. Bah, il m'a pas dit non, mais tu sais, des fois, je peux le faire aussi. Hein. Non, faut quand même pas exagérer, quand même. Après, bon, faut voir, parce que c'est vrai qu'en fait, je passe d'une personne qui passe deux fois plus ou moins l'aspirateur par jour, limite, à ça, bon, un peu, voilà, va falloir être gentil avec moi, va falloir que je me détende. Je me dis, il faut que j'apprenne. En fait, ça me permet d'avoir du temps pour autre chose, et surtout, d'arrêter de focaliser mon esprit et de me bloquer en me disant... Tant que le ménage il est pas fait, je peux pas entamer ma journée, je peux pas faire du montage, je peux pas faire filmer ou j'en sais rien. En fait, c'est vraiment un blocage psychologique. C'est vraiment une porte que j'ai fermée en mode, si t'as pas fait ça avant, tu peux pas déverrouiller le truc d'après. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais je me suis dit, bon allez Audrey, il faut que t'apprennes à lâcher un peu le ménage, à arrêter d'être dessus. Parce que, de fait, j'ai un enfant, un mari et une petite chienne. Petite chienne qui est en pleine mue, donc elle me lâche des petites touffes de poils, j'ai beau la brosser. Il y a vraiment, vous savez, quand on arrive en automne comme ça, des détachements de poils. Elle fait vraiment son poil d'hiver. J'étais là. C'est vrai, à quoi bon? À quoi bon vraiment se ruiner la santé? Donc demain, nous allons aller, je pense, on va passer, bon, on va faire les courses, mais je pense qu'on va aller chez Zeman, parce que j'ai la maman d'une fille qui est dans la classe de mon fils qui m'a montré. En fait, ils font des combinaisons intégrales, imperméables. C'est-à-dire, t'habilles ton gosse normal et après, t'as plus qu'à le mettre dedans. Après tu peux lui mettre un manteau, c'est pas ça le problème, hein. Mais au moins il est protégé de la pluie entièrement. Il n'arrive pas à mouiller à l'école. Il faut que je rappelle aussi à la directrice de l'école de mon fils, parce que du coup j'avais envoyé un petit mail hier pour savoir pour le bus. Et elle m'a rappelé, mais à l'heure où elle m'a rappelé, j'étais en plein dans le rush. Faire manger les hommes ici. J'ai vu que sur Amazon, mes bougies là qui sont comme ça, elles sont trop belles. Franchement je vous jure, elles sont vraiment trop belles. Mais ça, faut que je recommande. Et du coup, bah, je vais en reprendre sur Amazon. J'ai vu qu'elles étaient à 16€ là, les 3. Parce que j'aimerais vraiment en mettre beaucoup. Ah, celles-ci, elles ont vraiment un effet bougie. C'est-à-dire que mon beau-père, quand il est venu, une fois, quand le petit s'est approché du truc, il a dit attention la bougie. Je dis ouais, non, mais c'est pas une vraie et tout. Et il savait que c'était pas une vraie, mais après, il avait peur à chaque fois que le petit, quand même, il s'approchait. Parce que la flamme, on dirait vraiment une vraie flamme. Si tu sais pas,
tu peux vraiment croire que c'est des vraies bougies. Ouais, je les aime bien, elles ont un bon effet, donc je pense qu'au fil des années, j'essaierai d'en acheter plusieurs pour vraiment en mettre partout dans la maison. Je trouve ça trop beau. Dimanche, je pense qu'on va aller au restaurant asiatique. Ça, c'est cool, j'ai envie d'un bon wok. Et en plus, dimanche, c'est notre anniversaire de mariage, donc... Je me dis ça peut être sympa d'emmener le petit et puis on se fait ça tranquillement. Sur ce, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous aussi vos objectifs avancent. Et si vous avez loupé de temps en temps des choses, eh bien c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Moi je suis contente, pour l'instant j'ai tenu ce que je voulais faire, presque. Mais en tout cas sur le bien-être pour moi j'ai tenu, c'est-à-dire que je me suis tenue à mes séances de sport. D'ailleurs hier en fait je pensais qu'elle était courte aussi comme les autres et là je vois 20 minutes. Je me dis putain je vais vraiment ruiner mes cheveux, je les ai ruinés. Mais ça m'a fait du bien et plus les séances passent bizarrement et plus j'essaie de me reconnecter à moi pendant que je les fais. Quand je fais certains exercices je ferme même les yeux pour vraiment essayer de ressentir le truc et ça commence à me faire vraiment du bien. Donc j'espère que ça va perdurer, j'espère que j'ai trouvé un bon équilibre là-dessus. C'est pas, je trouve que c'est bien de faire des petites séances et pas de faire genre des heures tous les jours. Je me dis je continue et vous voyez par exemple c'est un défi de 15 jours, enfin en tout cas il y a 15 séances à faire, mais par exemple si ce week-end je trouve pas le temps de le faire, je vais pas me dramatiser, je me dis bah lundi je continue en fait. Si je me suis arrêtée, je dis une connerie, à 5, bah lundi on reprend à 6 et c'est pas grave si j'ai loupé 2 jours entre les trucs quoi. Mais c'est vrai que j'essaie de m'enlever cette culpabilité parce que je pense que c'est ça aussi qui n'aide pas à avancer, parce que du coup tu te démotives, tu dis ouais non mais laisse tomber, je suis pas sérieuse, j'arrive pas, nanana. Et je pense que c'est pas le bon mood. Autant se dire oui je suis consciente, je me laisse une pause parce que bah je sais pas, samedi j'aurais couru faire les courses, samedi je vais faire ci, samedi je vais faire ça, dimanche on va faire comme ci. Et voilà, surtout que ouais, dimanche on va peut-être aussi aller chez mes beaux-parents, je sais pas du tout en fait, faut jouer avec mon mari parce que comme c'est notre anniversaire de mariage, je ne sais pas. Bah là je suis en train de faire une sélection aussi sur YesStyle pour le mois de septembre, donc je vais voir, je leur ai demandé aussi s'ils voulaient que je fasse un contenu sur le calendrier de l'Avent. Je l'avais déjà eu il y a quelques années et je l'avais adoré. D'ailleurs faut que je le customise parce que si vous vous rappelez bien, je l'ai encore et j'avais dit que je ferais un truc pour Robin, donc j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, bah du coup, on va le commencer au mois de début novembre parce qu'il faut que je le peigne, il faut que ça sèche. Il faut aussi, je pense que ça, je vais commencer assez tôt, mais à chercher des petits trucs à mettre dedans. Des fois des petits jouets, des fois des petits chocolats. Que ce soit un chouette truc et je l'installerai ici dans le salon pour que chaque jour du mois de décembre, il ait son petit rituel et qu'il puisse ouvrir le truc quoi. Le truc égale le calendrier de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous aura plu cette semaine. Je ne sais plus trop ce que j'ai filmé, mais en tout cas je sais que j'avais besoin de parler. On continue dans le cheminement. Il y a tout plein d'autres contenus qui vont arriver. Je mets ça en place. J'espère que votre semaine, comme je vous disais, a été bien. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, pour me soutenir, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez mettre un petit pouce et la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur mes réseaux sociaux puisque c'est là que je partage tout le reste. Tout ce qui n'est pas ici est là-bas. Et je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Ciao. I wanna celebrate in class.